Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de Transalion fait des tests sur Resident Evil Village. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, hein, bien sûr, tout le monde connaît Resident Evil, mais pas sûrement le 8, nous incarnons Ethan Winters qui doit sauver sa fille Rose qui a été kidnappée par une secte. Et en gros, en ce moment même, nous sommes dans le château de Lady Dimitrescu que j'appellerai Miss Krueger. Alors, pourquoi Miss Krueger? Parce que cette connasse, elle a des putains de griffes acérées, mon gars. Mais bref, nous allons commencer l'aventure et j'ai sauvegardé précisément là parce que, en gros, j'ai tué à peu près la fille de Lady Dimitrescu. Et le problème, c'est qu'elle va m'en vouloir sévère. Enfin, l'une de ses filles, bien sûr. Hein, parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai obtenu le masque là, le masque du chagrin. Mais le problème, c'est que maintenant, la connasse de Dimitrescu va me courser comme jamais maintenant que j'ai tué ses filles. Enfin, une de ses filles. Et maintenant, nous allons devoir affronter les deux autres. Alors, par où il faut aller, je n'en sais rien du tout. Oh, elle est là! Enfin, nous nous retrouvons. Non, 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 non. Non, 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 non. Attendez, elle arrive? Non, 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 elle va pas arriver là. Elle va pas arriver quand même. Attendez, ça commence déjà bien. Elle est là. Putain, pourquoi j'attends? Je suis bloqué. Pourquoi j'ai attendu? Pourquoi j'ai attendu? Pourquoi j'ai attendu? Je m'en veux, ça commence bien. Dépêche, dépêche, dépêche. Ah, non, c'est pas là où je voulais aller. Non. Ah, non, ça va, ça va, ça va, je suis pas baisé. Si, je suis baisé, je suis mort. Bonjour, non. Non, 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 me touche pas. Me touche. Ah, ça fait mal. Vite, 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 vite. Putain, ça commence déjà bien la vidéo là. Putain, j'ai pas le temps de commencer, elle arrive déjà à l'autre. Vite. Elle court pas, mais elle avance vite, la connasse. Oh la salope, elle m'a fait mal. Bon, faut aller par où maintenant? Parce que c'est bien beau de me dire, faut avancer et sortir du château, mais. C'est quoi ça? Oh non! Regarde! Oh putain, vas-y, c'est envahi! Oh, c'est une invasion là, c'est une invasion. J'ai eu la peur de ma vie, mais c'est une invasion. Attendez. Les carabines peut-être? Oh oui, deux balles, deux balles. Aïe! Ta merde! Tiens. Attendez, on va essayer de voir si on peut pas se confectionner des balles. Non, on peut pas. Putain, il me faut de la poudre noire. Ça, je peux pas. Quoi, t'es encore vivant, toi? Oh, ok, c'est bon, j'ai compris, hein, les coups de fusil à pompe ne servent à rien. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Dégage! Ah, mais il est pas sérieux dans sa vie, celui-là! Bon, alors, la lady, elle a arrêté de nous poursuivre. Je me demande pourquoi elle a arrêté de nous courser. Putain, mais... Dégage! Bon, attendez, on va essayer d'aller quelque part, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Non, la merde, je retourne à la case départ. Putain, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu. Attendez, 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 je suis perdu là. Ah, mais attendez, on a la clé. J'ai la clé Dimitrescu, je peux aller, aller ailleurs maintenant. Allez, dépêche, dépêche, dépêche. C'est quoi ça? Je suis où là? Attendez, attendez, je suis où là? C'est verrouillé depuis l'autre côté. Putain. Oh, je suis tranquille. Déjà, je suis à l'abri de l'autre. Ça a l'air d'être calme là. Oh la peur de ma vie quoi, ça a pas le temps de commencer, je me fais déjà graisser dans tous les sens. Pardon, juste, je vais un petit peu... Non, pour l'instant on va pas se soigner, on va pas gaspiller de les... des médicaments pour rien, ça servira à rien. Par contre on va essayer... Y'a quelqu'un, y'a un putain de monstre quelque part. On va éviter, on va faire gaffe. Il est là-bas. Il est là-bas. On va essayer de faire le tour, on va essayer de faire le tour, on va essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant de l'autre côté. Le salaud! Le salaud, il m'a fait une de ses peurs! Attendez, c'est quoi ça? Ah, ça, ça a utilisé dans le truc du duc, là, dans la salle du duc. Je l'ai vu, il y avait une... Il y avait un genre de genre de mini-jeu, là, avec, avec une boule qu'il fallait utiliser. Et je crois que c'est ça. Attendez, c'est quoi ça? Mais ça me servira à quoi? Premier jour après le traitement, les trois filles ont cessé de bouger. Elles sont comme mortes. Un insecte s'est échappé de la bouche de l'aînée. Ça semble être une mouche commune. Deuxième jour après le traitement, les trois corps sont recouverts de mouches qui dévorent leur chair. Lorsque j'ai ouvert une fenêtre, certaines d'entre elles sont tombées au sol. Il semble que le froid les pétrifie. J'ai vite fermé la fenêtre pour éviter d'affaiblir davantage les insectes. Ah, elle parle des filles Dimitrescu là. Quatrième jour après le traitement, les trois corps ont été presque entièrement dévorés par les insectes. Insectes, pardon. À présent, ce ne sont plus que des amas sombres d'insectes dessinant vaguement des silhouettes humaines.
Il est midi passé, les insectes ont commencé à changer de couleur. Ceux qui recouvrent le visage sont devenus blancs et ceux qui sont situés au niveau des lèvres ont viré au rouge. Sixième jour après le traitement, les masses d'insectes se sont à nouveau déplacées et ont redonné un aspect humain aux trois filles. Toutes les trois se sont réveillées et m'ont regardé comme des nouveau-nés découvrant leur mère. Je ressens une sorte d'attachement pour elles. J'ai déjà choisi leurs prénoms. Bella, Daniela et Cassandra. Eh ben c'est cool! Mais moi je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu quand même là parce qu'actuellement je... Bon écoutez, il va falloir passer hein. Il va falloir prendre ses balls là mon gars et avancer. Il m'a vu. Et je t'esquive comme jamais. Alors c'est par contre la lady elle est là, par contre je pleure. Si elle spawn là la connasse, je pleure. C'est quoi ça? Hein? Attendez, j'ai... Quoi? Ah d'accord, j'ai compris. Il faut en fait mettre les... Il faut en fait en gros rassembler... J'ai entendu un bruit. Il faut en gros rassembler, enfin mettre les boutons au bon endroit en fait. Genre là par exemple, voilà, on descend un peu plus bas au fur et à mesure. Voilà. Là, non. Et c'est avec tout ce vacarme, on n'attire pas Lady Dimitrescu là. Par contre, je me demande comment on fait là. On est des génies. Là, je vous joue du Mozart en ce moment là. Putain, applaudissez-moi. Hein. Non, je déconne. Oh putain. C'est quoi l'utilité de rejouer du piano? C'est quoi ça? Clé. Oh, j'ai compris, je crois qu'il y avait une porte en fer forgé il y a quelques mètres de là. Oh, on s'en fout. C'est quoi ça? De la ferraille, je peux me fabriquer des munitions avec? Ya, c'est bon ça. Faudrait juste une plaque par contre pour préparer. J'arrive pas à parler. Pour me préparer un autre remède et ça sera bon. Bon, on va retourner à la porte qui était précisément là où on était passé tout à l'heure. Aïe, oh putain de salaud! Ça m'a fait peur! J'oublie souvent qu'il y a ces cons là autour de moi. Bon, alors on va faire demi-tour, on est... Oh non, mais putain, mais c'est pas vrai ça! Putain! Ta gueule! Putain, la salope, elle m'a fait peur! Il y a une porte! Attendez. Par là. On sort dehors, je m'en fous, on sort dehors. Attendez. Elle est où la porte en fer forgé par contre? Non, sa blague, elle était où? Casse-toi, attends, tu me touches pas. Ah merde, c'est pas une porte, je me suis fait avoir quand même. Dégage! Bon. Faut essayer de trouver la porte. Elle est précisément... Non, c'est pas celle-là. Je crois que c'est celle-là. J'ai bien dit, je crois. Je suis pas sûr du tout. Si, c'est celle-là, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant d'acharne? Qu'est-ce qui se passe? Elle est encore là, l'autre, là? Non, c'est pas elle, mais par contre, c'est... Hello, my body. Hello. Moi je me suis carrément trompé d'endroit, c'est pas du tout l'endroit où je voulais aller en fait. Alors on va essayer de... Bah vous savez quoi? Je mets sur pause parce que sinon je vais me faire attaquer. Ce qu'on va faire c'est que je vais arrêter là le temps de trouver une solution. Et une fois que je suis devant la porte, on se retrouve ensemble. 2 hours later. C'est bon, j'y suis enfin, on y est arrivé, j'ai ouvert la porte. Le problème c'est que j'ai la dame Dimitrescu et ses filles qui me coursent. Et je vous jure, pendant que je cherchais pendant tout ce temps cette foutue porte, elle m'a fait stresser à mort, elle était tout le temps derrière moi, même dans la cour elle était derrière moi, je me pensais à l'abri, mais non, elle était toujours collée à mon cul comme une mouche. Et c'est le cas de le dire, parce que ses filles, c'est des mouches. Bref. Alors là, nous allons devoir... Ah, l'affrontement de la fille. Tu te décides enfin à venir me voir. L'affrontement de la fille. Personne ne me résiste bien. L'affrontement de la fille. Ah, salope, tiens. Ah si, ça se fait très bien même. Attends. Ah, mais je vous jure, c'est l'affrontement entre une des filles. Alors là, je vais la baiser, façon de parler bien sûr, comme jamais. Elle est où? Ma foi. Je ne peux quoi, déjà pas mourir. Déjà?
Putain, ça a été rapide l'affrontement. Ça a été rapide. Ras-le-bol des insectes. Oh, la petite vanne gratuite de Ethan. Bon, on a affronté la fille Dimitrescu, c'est excellent. Et maintenant... Attendez, j'ai vu des munitions pour pistolet. Oh, c'est parfait. Alors, des munitions pour pistolet, ouais, mais maintenant... Où est-ce que je suis censé aller? Genre, je fais demi-tour maintenant? Attendez, il y a un vase. Pour de l'argent, tant mieux, c'est pas ce qui m'intéressait. Mais par contre, les portes, elles grincent vachement, alors j'ai peur qu'à un moment ou un autre, Lady Dimitrescu me tombe dessus et me fasse mal comme jamais. Lady, êtes-vous là? Attendez, on va casser ça. On va essayer de voir si on peut confectionner des munitions. Non, on peut pas. Et je peux pas non plus, j'ai pas de plotte, j'avais pas vu. Bon, on va reprendre le pistolet quand si jamais. Bon, du coup, parce que je suis parti en courant comme une hache, on va aller là. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un ici? Non, y'a personne. Non, mais si jamais elle réapparaît, je pleure. Hein. Si jamais elle revient par là, je pleure, moi. Non, parce que figurez-vous qu'à un moment donné, j'étais coincé hein, entre quatre murs. Parce que cette connasse me coursait. J'avais la fille et la mère qui me coursaient. Et j'étais coincé comme un con, précisément dans un endroit où il n'y avait pas de porte. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais baisé, quoi. Alors là, non. Et où faut-il avancer? Ça, j'en sais rien du tout. Alors, on va essayer de descendre. Attendez. Par où, je sais plus. Ah, peut-être par là, attendez. Oui, voilà, c'est par ici. J'espère que l'autre, elle va pas venir, parce que sinon, je pleure. Si jamais je la vois paraître là, je... Il y a des portes qui s'ouvrent, là. Hein. Et, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Resident Evil Village, c'est plus oppressant que de jouer à Hello Neighbor. Sérieusement, le voisin, il est oppressant, mais elle est encore plus oppressante que le voisin lui-même. Là, je trouve une carte de château. Là, on peut pas rentrer. D'accord, alors si je vais là, il y a une salle d'opéra, dites-vous. Lady Dimitrescu est encore plus oppressante que le voisin dans Hello Neighbor. D'accord, là, j'y suis déjà allé. Parce qu'il y a le piano qu'on a déjà fait. Ah, attendez, là, par contre... Attendez, juste ma vie. On va soigner un petit peu, on gaspille un soin, mais bon. Au cas où, j'en referai un s'il y en a besoin. Si je trouve. Bah... Le hasard, moi, on m'appelle le chanceux. Voilà. Ça fait une solution que... D'ailleurs, attendez, non, pas ça. Voilà, je vais mettre ça là. Ça, comme ceci. Voilà. Bon, maintenant, faut trouver une sortie, parce que sinon... Parce que sinon, on va être encore coincé encore et encore à se faire traquer comme des gros blaireaux par la dame Kruger. Et en plus ça, il faut récupérer des masques, c'est ça le truc. Il faut aussi récupérer des masques qui nous permettront de sortir du... J'ai cru putain pendant ce qu'il y avait un ennemi. Des masques qui permettent de sortir du château. Donc je pense que nous devons passer par ici. Parce que du coup nous sommes remontés à la case départ, j'espère qu'elle n'est pas dans le château, dans le jardin. Ah, c'est le bruit des flammes, m'inquiétez là, je me dis c'est quoi ce bruit. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un ou y'a pas quelqu'un? Non, y'a personne, on dirait. Bon. On va explorer un peu plus les lieux. Attendez, là, j'y suis allé ou pas? Ça me dit rien, là. Ça me dit vraiment rien, là. C'est quoi, ça? Ah, non, on peut pas le prendre. Ça, non. Là, est-ce qu'on y est déjà allé? Je m'en rappelle plus du tout, et c'est... Ah bah oui, c'est l'endroit où on a affronté, où j'ai affronté la première fille Dimitrescu, alors non, c'est pas ici qu'on doit aller. D'ailleurs, ce qui est cool, c'est que j'ai du mal à les différencier, les filles. Hein. Non mais c'est vrai, j'ai du mal à faire la différence entre Bella Cassandra et Daniela. Bah alors, ah. Non, c'est vrai, j'ai du mal à vraiment faire la différence. C'est quoi ça? Ange en bois. D'accord. Bon, du coup, c'est pas là. Si votre grognasse elle apparaît, je pleure. Cassandra, viens ici. Oh putain.
Qu'est-ce que cet homme m'a pris ? M'a fait peur. Tu es ma fille ! Agis comme telle ! Très bien, mère. Non, 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 putain, elle passe par là ! Elle passe par là ! Putain ! Elle passe par là, putain, j'ai envie d'aller sauvegarder, voir le duc ! Putain, elle casse les couilles ! Tu essaies de m'ouvrir l'appétit, c'est quoi, ça ? Quoi ? Moi ? Non ! Non, il y a la mairie tout ! Tu as dû avoir... Non, 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 non. Attends de voir ce que notre mère... Non, 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 mais j'ai pas le temps, excusez-moi. J'ai pas le temps, 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 j'ai pas le temps. Ah, oh, le duc. Bienvenue, bienvenue. J'ai sûrement quelque chose pour vous. Hey, tu t'en bats les couilles, toi, je me fais courser par deux meufs. Et l'autre, il me dit bienvenue, bienvenue. Bon, on va sauvegarder. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va essayer de voir si je peux y vendre quelque chose à lui. Jetez un coup d'œil, faites à votre guise. Oui, un buste cristallisé, ça rapporte beaucoup. Grand tube de rouge à lèvres trouvé au château d'Ibitrisco. Objet de valeur, ben, je le vends, je m'en fous. Et je sais qu'après, il y a des combinaisons à faire à certains trucs, mais bon, je vais pas me compliquer la vie, hein. J'ai pas envie, vraiment, j'ai vraiment pas envie de me compliquer la vie. Vraiment ? Ça me paraît pourtant parfaitement honnête. On va acheter, hop là, une extension pour l'inventaire. On va acheter des... Non, on va pas acheter... Non, vous savez quoi, on va pas acheter des cartouches. On va pas acheter des cartouches. Ah, j'ai pas assez, merde, j'ai pas vu. Même pour ça, j'ai pas assez, dommage. Écoutez, voilà. Ça, c'est bon. Je vous souhaite de faire bonne route. Ouais, ouais, c'est ça, allez, ta gueule. Bon. Faut essayer de trouver... D'autres... Nope, tu m'as pas vu. Tu... On tente de... Hey enfin, nous nous retrouvons. Salope. Ah, ah, t'es coincé. Ah, t'es baisé, hein. Mais tu... Putain, elle m'a fait peur, je la teste. Non, c'est bon, je la teste plus. Oh, elle m'a fait peur, je la cherchais là. Vous savez, tu peux pas m'avoir, mais quoi, elle m'a... Eh oh. Salut. Hello. Je t'ai fait attendre. Non, 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 tu me touches pas. Elle t'est niquée, regarde, t'es niquée. Ah. Bon, écoutez, on va la laisser partir parce que sinon on va jamais s'en sortir, hein. Bon. On va attendre qu'elle parte tranquille, hein. N'est-ce pas, Bouboule? Sérieusement, toi, t'es dégueulasse, toi. De toute ma vie, t'es le plus dégueulasse de tous les personnages que j'ai pu voir de ma vie dans un jeu vidéo. Elle est encore là? Elle est là, elle est là. Si elle se retourne, je pleure. Non, c'est bon. Bon, écoutez, les amis, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que ce petit test vous aura plu parce que... attendez. Parce que... Du coup, on va se méfier, hein. Voilà, on va se mettre à l'abri tranquille. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, parce que pour ma part, pour moi, Resident Evil Village est un excellent jeu qui, en quelque sorte, m'a vraiment fait flipper, parce qu'habituellement, moi, je n'ai peur de rien, sauf du voisin de Hello Neighbor et Dame Dimitrescu, bien sûr. Mais bon, sinon, c'est un excellent jeu et j'apprécie beaucoup. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne.